Donc, tous nous soutiennent et applaudissons. Les temps se finissent avec ce camion-citerne pour devenir un bout de l'eau. Nous retournons dans l'époque 80, quand Tibizin prend Tissorieux avec quatre larous, al jusqu'à la fontaine, al rôde-t-il-le, pour amener-t-il-le, al qu'est-ce qu'au sprint, qui supposait le fief de Paul Béranger. Al qu'est-ce qu'au sprint, combien madame Pévinie Pépousse, Tissorieux avec tout tes le pour amener dans la carte. C'est une véritable la honte. Et la population, pour faire ce, paye sa prix qui se fait vers nous payer à ceci. Nous aussi constatons que la population les recettes avec dégoût. Les programmes de sa alliance travailliste même qui consistait à mettre sur pied un système d'enseigné qu'ils ont appelé Deuxième République. C'est Deuxième d'enseigné qui, s'ils sont capables de mettre un plan machiavélique pour ça, écoute, nous devons faire attention avant de donner un vote. Je remercie eux pour cette attention. Je vous immédiatement passer la parole à Xavier. Et madame la camarade la presse, et bien sûr, c'est votre présence aujourd'hui. Pour rejoindre la camarade Ivan, la beauté de la campagne de l'Alliance de Peuple sur le terrain, pour persuader aujourd'hui que nous sommes engagés dans une très belle aventure politique, et pour persuader d'une victoire écrasante pour l'Alliance de Peuple dans sa élection. Pour plus que jamais persuader d'une victoire éclatante pour l'Alliance de Peuple dans sa élection. Alors qui va travailler ça même, fin promettre nous d'élargir la démocratie, qui nous peut retrouver nous en ce moment-ci, nous peut retrouver nous sans parlement, parlement il a retiré une dissoute, nous peut retrouver nous sans apologie, l'apologie fin disparaître l'homme, nous peut retrouver nous sans date d'élection, pas connaît parlement fermé, mais pas connaît qui date d'élection. Mais par contre, l'autre terrain, nous pouvons retrouver nous avec répression politique et avec une la frayeur instaurée par le régime. C'est ça qui veut dire l'Alliance travailliste MMM. Et c'est pour ça qu'il nous peut dire à la population, faire attention, dictature. Maintenant, durant le courant de la semaine, Namin Ramboulam fin gagne l'audace, critique nos performances au niveau de l'intégration sociale. Pour penser qu'il faut soit son mémoire fait à des défauts, soit les participer concerné même par les mesures qu'il peut prendre pour les pauvres. Et donc, c'était l'occasion pour moi qu'il nous donne moi, pour nous rappeler un petit peu à tous mes camarades qui exactement fait faire dans les derniers mandats concernant la lutte contre la pauvreté. On a l'honneur d'être le premier ministre de l'intégration sociale. On vient dire comment ça est arrivé. Ça est arrivé parce qu'après les élections, Marvin Jagrat est là avec nous dans le gouvernement. Après les élections, quelques jours après les élections, Namin Ramboulam retire, non pas le ministère du Tourisme, pas qu'il retire le ministère du Tourisme, mais qu'il retire le ministère de la communication extérieure. Le ministère de communication extérieure, c'est le port, c'est l'aéroport, c'est Air Mauritius et l'aviation civile. C'est ce ministère-là qu'il retire du ministère continental avant, c'est-à-dire Tourisme et communication extérieure. Et donc, c'est à ce moment-là que je ne vais pas donner la moitié du ministère, je ne vais pas les reprendre tout, parce qu'il tient complet ce ministère. Donc, là, il prend le ministère, là, tout ça, il donne à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qui arrive. L'étant maintenant, vous guettez qui le ministère, propose-moi plusieurs ministères, mais le seul ministère qui m'a accepté, et avec grand plaisir, c'est le ministère de l'intégration sociale. Il dit à moi, il me réserve un ministère pour un travailliste, mais puisque j'ai des difficultés en moi, est-ce qu'ils m'ont accepté l'intégration sociale et m'ont accepté lui? Et je prends ça comme une mission pour moi donc, pour faire le travail qui t'est imposé en tant que Premier ministre de l'intégration sociale. Et non, beaucoup de mes jeunes, pas pour moi, pour quelques-uns. Nous tout rappelle longtemps qu'il y a un abonnement dans le chemin, vous avez comme ça, qu'il y a besoin d'envoyer le proche ou bien même l'extérieur pour faire l'opération. À cette époque-là, le gouvernement Maurice me donne 200 000 roubles seulement pour l'opération à l'étranger.
ça 200 000 roupies là, fin sorti grâce à moi, fin sorti de 200 000, fin 500 000, fin 800 000 dans certains cas. Donc 200 000 roupies qui sont là par rapport au Banco à faire opérations étrangères, 200 000 roupies, fin 500 000 roupies, et dans certains cas aujourd'hui, fin 800 000 roupies là, une mesure qui a affecté tout le monde, et d'ailleurs aujourd'hui, nombre de personnes qui ont trouvé dans le chemin avec sa permission de la police pour faire une collecte là, est bien moins, est presque disparu. Van la crèche, nous donnons une attention spéciale à la crèche. L'autre jour, nous faisons le 4e anniversaire de la crèche dans la résidence Péraval à la Catobone. Et la presse était là. Donc nous faisons ouvrir beaucoup de la crèche. Beaucoup de la crèche, ça finit fermé après, quand mon successeur Van Francon. Nous donnons 700 000 roupies, 750 roupies, chaque enfant pauvre, du moment qu'ils se parent envoyer l'école tous les jours. Ça, c'était pour aider l'enfant pauvre, mais aussi pour forcer les parents envoyer leurs enfants à l'école. Sa mesure-là, encore présente, est dans 6 000 familles dans l'île Maurice qui recevront jusqu'à 2 250 roupies par mois. Summer School, repas chaud dans l'école Z. Nous faisons, il y a un petit problème technique, mais aujourd'hui, même si ce n'est pas un repas chaud, il n'y a pas de repas qui donnait. Tablette tactile qui nous donnait tous les enfants dans le fond 4. Et les enfants pauvres gagnent Internet gratuit. On parle tout à fait aussi des maisons que MEF construit. Longtemps, MEF donne 10 feuilles avec un petit bois eucalyptus, c'est-à-dire qu'ils vont la débrouiller à le faire toute la case. Et tu coûtes environ 60 000 euros en tout. Quand on est arrivé, nous nous trouvons moyen, un petit peu plus que deux fois le prix, de faire des maisons en béton. Ok, c'est une petite case, c'est un co-house. Mais nous te donnons, au lieu de savoir la case de là, nous donnons la case en béton, pour le pauvre, et ça a grandement changé de la vie. On peut décider à faire encore, ça indique un HDC, chaque appartement un HDC recevant du gouvernement 200 roupies par mois pour lui payer syndic. 200 roupies par mois pour chaque appartement un HDC, et ça fait une transforme un HDC à travers le pays, inclus en plus un projet comme waterproofing, etc., qui coûte 250 millions de roupies. Au sujet de la transformation de l'endroit, Caro Calyptus, qui appelle aujourd'hui résidence Calyptus, c'est une transformée dans le produit là-même, à le checker. Dans les autres endroits comme Marjolin, Palépito, Panchabati, Saint-Hubert, Saint-Hilaire, Bois-Marchand, Saint-Croix, African Town, où nous travaillons. Et, un petit liste pour faire beaucoup plus. Motocyclette, on va parler peut-être de l'analyse, pas bizarre, mais motocyclette aujourd'hui, il est duty free jusqu'à 250cc. Donc, un tas d'affaires qui ferment, j'ai envie de continuer. Malheureusement, je me transférer aux finances, mais j'ai bien apprécié ce ministère-là. Juste pour dire, étant fini mon petit bout aujourd'hui, concernant la Seconde République, c'est malhonnête manière qui n'a pas eu de mais Paul Béranger, de casser sa projet-là. On dirait un projet qu'ils ont monté. Ils n'ont pas mentionné aucun part aujourd'hui. Donc on dirait que le projet Seconde République n'a plus existé. Alors qu'ils nous tout connaissent. Et sans élection-là, il y a une élection primordiale pour le pays. Parce qu'ils ont préféré faire un changement substantiel à une constitution. C'est pour servir sa élection-là, si la population dupe. C'est pour servir sa élection-là comme un référendum. De vous dire qu'il y a là une guerre carte blanche pour faire tout ce qu'ils ont envie de faire pour changer nos constitutions, alors qu'ils ont cassé le vrai débat.